Est-ce que c'est un bolos ou est-ce que c'est un mec qui va assurer? Nous le saurons dans quelques instants. Mais est-ce que ce serait pas servi de lui pour avoir un verre gratuit et après totalement l'ignorer? J'ai l'impression que si. Yo, la vidéo que tu t'apprêtes à voir est la rediffusion d'un live Twitch. Mais comment faire pour voir les lives en live? Clique sur le lien dans la description et follow la chaîne Twitch. Très bonne idée, je pense que je vais faire ça et je vais aussi m'abonner à la chaîne YouTube et lâcher mon plus gros pouce bleu pour ne rater aucune vidéo. Et c'est parti pour la vidéo. Salut à tous et bienvenue pour cette rediffusion live, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aller voir une vidéo qui m'a été envoyée par une personne de la communauté. Une personne qui est malheureusement décédée. Rest in peace dans les commentaires, c'est pas vrai, elle est totalement vivante, elle est même actuellement dans ce chat, la pauvre. N'hésitez pas à m'envoyer des liens sur le Discord de la commu, c'est important. C'est vous, c'est grâce à vous qu'on trouve autant de cassosseries, autant de malaisades et autant de débileries. Merci à vous d'exister. Aujourd'hui, nous sommes partis pour aller analyser une vidéo qui s'appelle Phéromone Party. Trouvez l'âme sœur grâce aux aisselles. Oui, je veux pas savoir plus, je demande pas d'explication. On va juste regarder ça ensemble et on va réagir à ce qu'on va voir. J'ai peur. Avant de commencer cette vidéo, nous allons évidemment appeler le personnage principal de cette chaîne qui n'est d'autre que Patrick Fiori, c'est pas vrai, c'est El Batardo. On va donc l'appeler maintenant. La Kazam. À la Kazim, bah de la babine, t'as des babines, tu m'embobines, une petite binouse, Zunidine Zidane, Duncan MacLeod, l'Odyssée d'Homère, mercredi, dimanche, cheval, bon ça rime pas, c'est un peu long, abracadabri, abracadabra, El Batardo, apparella. Oh c'est bon, tu fais chier là, toujours El Batardo par-ci, El Batardo par-là, je peux avoir une dîme aussi. Oh, faut venir travailler maintenant. Putain, il fait chier ce con à faire deux vidéos par semaine. Moi, je vais en faire moins si vous mettez pas de commentaires et de pouces bleus. Non, j'irai voir vos darons. Allez. El Batardo. Imaginez. Pourquoi c'est Jésus qui parle? C'est quoi cette voix? Aujourd'hui, nous avons rendez-vous sur le Styx pour vous présenter la nouvelle application de Zeus, Adopte un Dieu. Ce nouveau type de rencontre sera accessible pour tous dès l'été 2022 et ouvrira ses portes grâce à M6. Que tous les chiens de l'Olympe se réunissent, ça va pas que lancer des éclairs. À part ceux qui iront dans ton... Peggy 18. Votre vie en plongeant votre nez dans ses affaires sales. Quoi? Alors écoute-moi, que déjà je plonge pas mes mains, c'est pas pour y plonger mon nez. C'est dégueulasse! On va mettre tous vos t-shirts sur la table au milieu là-bas. Et du coup, vous, si vous avez envie, vous pouvez aller tester un peu si vous matchez avec quelqu'un. Tester quoi? Tester, tu vas sentir des culottes sales? 250 célibataires se sont donné rendez-vous pour un speed. Là, le monsieur là, il est en train de parler à une femme. En même temps, il sent la culotte d'une autre femme. Et ça choque personne dans l'assistance. Explosion! Non. Les renifleurs de l'extrême! Si t'aimes renifler des culottes sales tout en te touchant la zigounette, n'hésite pas à nous rejoindre. 442-689-443. Tu pourras à la fois parler à la future femme de ta vie et renifler ses sous-vêtements. Alors si toi aussi les traces de pneus ça te rebute pas et ça t'attire, réunion consommateur tous les jeudis, vendredis et samedis à partir de 14h30 et les week-ends et jours fériés à partir de 11h30. Chaque participant est venu avec un t-shirt qu'il a porté pendant 3 nuits. Quoi? Mais ça fait beaucoup. Et parfois, le premier contact est rude. Ah bah attends, tu renifles un t-shirt sale depuis 3 jours, t'as cru ça sentait la rose? Ah bah mon gars, t'es pas prêt, hein. Ah si l'odeur ça te rebute comme ça, attends de voir la femelle, hein. Il dit femelle? Excusez-moi, je voulais dire humanoïde de sexe féminin. Vous, dans les commentaires, vous aimeriez aller dans ce genre de truc? Une réunion de sniffage de petites culottes. Parfois ça sent le gel douche, on voit les fumeuses. Lui là, mesdames, il va sentir vos sous-vêtements. Est-ce que vous avez vu son nez? Il va les aspirer, vous les reverrez plus jamais vos sous-vêtements. Bonjour à tous, ici Dr Calvas. Nous nous donnons rendez-vous dans cette réunion de sniffeurs de petites culottes pour croiser un spécimen assez rare mais plutôt répandu sur la planète. Nous pouvons voir qu'il a une barbe qualitative, mais une petite réduction capillaire au niveau du cuir chevelu. Nous pouvons voir que la calvitie débutée à partir du 10e degré du stade de foot s'étend vers le milieu latéral droit, mais est cachée grâce à ce qu'on appelle l'arrêt atomique. Cheveux? Pas de cheveux, pas de cheveux, cheveux. Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me vois encore? Tu me vois plus. Voilà. N'hésitez pas à utiliser cette technique si vous aussi vous êtes atteint de calvitie. Vous pouvez utiliser aussi l'arrêt latéral gauche. Cheveux, pas de cheveux, cheveux, pas de cheveux. Mais attention, car les plus fins observateurs
l'auront remarqué. C'était Docteur Calvas pour vous servir. Faut arrêter de venir tous, hein. El Batardo, Docteur Calvas, Marty Poutou. Hey, je peux garder mon taf ou pas? Marre, ils viennent là comme ça, je suis jamais prêt, je comprends pas là. Certains frôlent le délire. Alors, sans dire, ça me fait plutôt penser à une fille qui court dans la prairie. T'es bourré, frérot. C'est quel genre d'alcool qui servent à cette soirée? T'as cru la meuf qui portait ça, c'était le chien de Royal Canin, c'est ça? Respecter un chien. La meuf, elle arrivait comme ça dans la soirée. Ce speed dating olfactif, cela s'appelle une phéromone party. Un concept loufoque. Importé des États-Unis. Dis-le, s'il te plaît, je veux l'entendre. Tout ceci est très sérieux. Non, tu dégages! Tu pars! C'est bon, il va pas me faire ça à chaque calvitie. Ces soirées ont été imaginées en 2010 à New York. Allez, vous vous rappelez, j'ai dit quoi dans le passé, il y a longtemps? Allez, dis-moi que ça vient des États-Unis. Et là, vous croyez que c'est un memory alors que pas du tout, en fait. La continuité de la vidéo. Ah, je vous ai bien eu, hein. Haha! Mais ça se trouve, il a tourné ça avant la vidéo. Non. Elles jouent un rôle déterminant dans l'attraction sexuelle, notamment chez les animaux. Oui, mais on a évolué depuis. Depuis l'époque des dinosaures, depuis l'époque de Cro-Magnon. Comme chez les insectes ou les souris. Alors c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont des têtes de rats. De là à marcher, à faire des pièges en forme de tapette, j'ai peur de dire ce mot maintenant. Ça peut être très mal interprété. Des pièges en forme de bois avec un clapet à ressort et un morceau de métal qui coince la queue des rats. Waouh, ça aussi j'ai peur de le dire parce que la queue c'est peut-être démonétisable. On va zapper cette blague. Participer à une phéromone party, ça se prépare longtemps. Je vois surtout que c'est un truc de riche, hein, parce qu'à mon avis là c'est appartement parisien, petits écouteurs à 300 boules, petit pull sur la veste au cas où si on a froid chaud, on sait pas. Il s'agit effectivement d'une bourge niveau 3. Jeannette. Voilà, Jeannette. El Batardo! Célibataire de 21 ans, y croit. T'as 21 ans? Pourquoi tu vas chercher l'amour dans des culottes parties? T'as encore du lait maternel de dessin de ta daronne ici, là. Il y a 2 ans, tu faisais encore caca sur le pot. T'as le temps de trouver l'amour. Pourquoi aller faire des soirées bizarres? Elle a payé 10 000 euros pour vivre l'expérience. Pendant 3 jours, on va être la petite secte des phéromones à mettre notre t-shirt, aller dans notre lit, se lever, se le remettre, le mettre dans un petit sachet. Oh, t'es sur mes fesses. Comme ça, je trouverai un mec qui aime le cul. Mais moi j'ai l'impression qu'il sent pas grand chose. C'est normal, on sent jamais sa propre odeur. C'est pour ça qu'il y en a, ils réaliseront jamais que vous fouettez, d'accord? Moi j'ai raté ma 5e parce qu'à côté de moi il y avait une meuf, elle puait de la gueule. Le déo et le dentifrice ça a été inventé pour une raison. Faites-en bon usage. Pour conserver son odeur corporelle intacte, Jeannette... se lave pas jamais de la vie. Jeannette est vegan. El Batardo! Prend cette expérience très au sérieux. Car comme de nombreuses jeunes filles de son âge, elle fréquente beaucoup les sites de rencontres. T'as pas besoin de t'inscrire sur un site de rencontres, t'as 21 ans. T'as la fraîcheur de la jeunesse avec toi. On est autant désespéré que ça en 2021. Bon, j'avoue, tu t'appelles Jeannette, mais quand même. El Batardo! Très sincère finalement de montrer son odeur. C'est sincère de montrer son odeur. J'ai rien compris à qu'est-ce qu'il a dit. Normalement, l'odeur corporelle ne se trafique pas. Parfum. Déodorant. Gel douche, shampoing, après shampoing, huile de massage, crème de jour et de nuit. Non, ça se trafique pas. Elle sait de quoi elle parle, la voix off ou pas? Qui a engagé cette voix off? 3 jours plus tard, Jeannette a rendez-vous avec son amie, Elna. Ah ouais, Jeannette, Elna, la bourgeoisie parisienne. Elle aussi est censée avoir porté son t-shirt 3 nuits d'affilée pour participer à la soirée. Mais comme elle pue, elle l'a porté seulement 2 heures. Va voir si ça sent toi. Alors ça sent trop le parfum, meuf. Ouais, moi, j'ai vraiment pas triché, tu vois. Moi, j'ai pas triché non plus. Ça sent le parfum, on t'a dit. Tu transpires pas du Coco Chanel. Arrête de mentir, maintenant. Là, ça sent pas le parfum, mais ça sent quelque chose, tu vois. Une odeur corporelle. C'est le caca, ça s'appelle. Faut pas chier dans ses draps, madame. El Batardo! Pour préparer cette phéromone partie, elle s'est imposé un régime alimentaire plutôt strict. Si elle me dit que des légumes et des fruits... Manchette stellaire. Bobo parisien, vegan, reniflage party, ça sera le combo fratricide. Bah tu sais, j'ai mangé des fruits, des légumes à mort parce que... Je savais ! Problème de riche ! T'étais sûr ? Les organisateurs de la phéromone party s'activent. As du marketing ou précurseur des jeux de l'attirance. Ah, on a vu un truc aux États-Unis, il y a des gens, ils sentent des t-shirts pour sortir. Précurseur de quoi ? On va arrêter de prendre les gens pour des cons. On sait très bien comment ça se finit. Oh putain, ça sent trop... Oh mais il sent trop bon ! Oh bonjour. Ouais mais il est moche. Excusez-moi, au revoir. On dirait une réunion de fétichistes, ça fait très peur. Donc ça c'est ton numéro, donc emmène les kits.
J'espère que c'est pas un pseudo qu'elle lui a donné. Je rigole pas. Sur la table de sniffage, donc table de sniffage au milieu de la... La table de sniffage. Donc là, on est passé sur une réunion d'anciens toxicomanes. Se jette à l'eau et plonge son nez dans le sachet numéro 83. Ça pique au nez. Mais ça se trouve, c'est un mec époussé. Ou c'est juste un mec qui schlingue. Le chien, c'est que ça me frise tous les poils du nez et ça m'hérisse, quoi. Ça... C'est affreux. J'imagine avec les cheveux très très longs. Et oh, t'as quoi avec les mecs avec des cheveux longs? T'es malade ou quoi? Ça sent fort, ça sent le poivre. Eh, mais tous les mecs de la soirée, ils sont épicés ou quoi? C'est quoi? Mais tu t'attendais à quoi de sentir des t-shirts sales? Je croyais que ça allait sentir la piscine. Pas sérieuse. J'imagine petit trapu, pas très sympa. Hein. Tous les petits trapus sous la vidéo sont en PLS. Mais tout pourrait bien changer avec le numéro 90. Ça sent le vrai mec, quoi, le mec avec qui tu te réveillerais le matin. J'espère il est éclaté. J'espère son nez regarde à gauche, ses yeux regardent à droite. J'espère il a deux dents et il y en a une des deux qui est noire. Ce mec, je l'imagine un peu plus grand que moi. Un petit peu de barbe, mais pas trop. Style sportif, mais... Ça a l'odeur. Engagez-la à l'aéroport, hein. Elle débusque les trafiquants de drogue comme ça. Dans la mallette rose. 2 grammes de shit. Ouais. Et deux sachets de thé, arôme orange. C'est... Et des pims orange. C'est lui. Sacrilège, il a des pims orange. C'est le moment où il faut aller prendre la photo. En s'affichant en photo avec le sachet portant le numéro 90, elle annonce à toute la salle qu'elle veut mettre un visage sur cette odeur. Il y a ta gueule qui est affichée dans toute la salle et tout le monde sait que t'as reniflé le t... Mais c'est bizarre. Hein. Il y a celles qui cherchent vraiment l'amour et ceux qui sont juste venus pour s'amuser. Pour sentir des trucs. Bande de crado. Oh, c'est... Ça sent les produits de la mer, c'est ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut, lavez-vous. Après, globalement, moi, j'attends rien de particulier, ouais. Et pourtant, vous allez le voir, Yannick n'est pas à l'abri de faire une belle rencontre. Très vite, il est attiré par un t-shirt. Tombe amoureux d'un t-shirt. J'adore l'expérience. Oh, la première fois que je t'ai senti, c'était incroyable, chérie. Tu sais, quand j'ai rencontré ta mère, au début, c'était qu'un t-shirt. Bah, après, c'était trop tard, hein, quand j'ai vu sa gueule. Pour Jeannette, la séduction olfactive fait son chemin. Son odeur aurait même plutôt la cote. Plusieurs hommes se sont fait photographier avec son t-shirt. Aïe, aïe, aïe. L'odeur de ce jeune homme ne semble pas être à son goût. Jeannette va lui faire savoir à sa manière. Pas triché, toi. Avec le sourire, mais plutôt cash. Mais en vrai, je dis ça par hasard. Mais est-ce que ce serait pas servi de lui pour avoir un verre gratuit? Et après totalement l'ignorer? J'ai l'impression que si. J'ai l'impression qu'il s'est fait bolosser. C'est pour ça, payez jamais de verre à une femme, les gars. Vraiment. En dehors des photos, les célibataires peuvent également laisser un petit mot à leur prétendant. Ah ouais, hein, la maturité, ça... Bon. Bon ressenti, je te laisse un souvenir. Numéro 51. Il n'en faut pas plus à Jeannette pour plonger son nez dans le t-shirt portant le numéro 51. Ah bah heureusement que c'est que dans le t-shirt qu'elle fourre son nez, hein. Non, franchement, ça va. Voici celui qui se cache derrière le t-shirt. En fait... C'est un ami, ça sent le coup fourré. Le mec, il s'est fait friendzoner depuis 94. On va foutre avec les tapons. Tous les deux sont tombés dans un piège. Piège. Jeannette n'a plus rien à perdre. 21 ans, elle a plus rien à perdre. Eh bah dis donc. Mais je vais partir avec ton t-shirt là, je vais dormir avec. Alors s'il a de la répartie, il dit tout de suite. Pourquoi se contenter du t-shirt? Est-ce que c'est un bolos? Ou est-ce que c'est un mec qui va assurer? Nous le saurons dans quelques instants. Sérieux? Est-ce que c'est un mec qui va assurer? Non. Mais il semble particulièrement pressé de partir. Il vient de serrer la main à une femme. Dans une soirée rencontre. Attendez deux secondes. Petite victime, tu es une petite victime. Petite victime, tu es une petite victime. Le bilan des odeurs, c'est très drôle à faire. Il y a des très mauvaises surprises, mais au final, moi, il y en a un qui m'a plu. Et au final, ça a été plus ou moins réciproque, donc... J'ai pris un risque, j'ai eu un retour sur investissement maximal. J'étais le bitcoin ou quoi? Comment ça, retour sur investissement? Qu'est-ce qu'elle raconte? Wow, on est des êtres humains, on a un cœur nous aussi, hein. La jeune femme. Jeune, je sais pas, hein. La femme. El Bedardo! Dont il avait apprécié l'odeur est venu jusqu'à lui. Il décide même de rentrer ensemble. Et alors? Ah, il était horrible. Non, je l'avoue. Ça va qu'il est mignon? Je dirais pas qu'il est mignon, mais vous allez bien ensemble, quoi. El Bedardo! Je sais pas ce que vous pensez de cette soirée, mais moi je pense que c'est un peu du bullshit. Je sais que les phéromones ont un rôle à jouer dans notre recherche du partenaire
opposé. On peut dire que ça existe encore en 2021, vu que tout le monde peut être ce qu'il veut, à ce qui paraît. Si la vidéo t'a plu et que t'as souri, mais y mets ton meilleur pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, active les notifications, c'est très important si toi aussi tu veux avoir un mec qui pue des aisselles. Et tout le monde sait que les femmes adorent les mecs qui puent des aisselles. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour les nouvelles vidéos. Bon courage à toi pour trouver l'âme sœur. Ne te presse pas, tu as tout le temps du monde, que tu sois beau, moche, vieux, jeune, ne t'inquiète pas. Il y aura toujours le sexe opposé dans le même cas que toi, donc pas de soucis. Va manger des pâtes et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Wenga.